Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go. Uber, Uber everywhere, yeah. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et un petit peu un nouveau cadre. Voilà, je me suis mise face à ma fenêtre. Je l'avais déjà fait une fois. C'est vrai qu'au moins, j'ai la lumière naturelle. Vous voyez, il y a même beaucoup de soleil. Hein. Je suis restée comme ça. Donc, je reviens pour un haul. J'avais envie de faire cette vidéo toute maquillée, toute make-upée, tout ça, tout ça. Mais je n'ai pas le temps, voilà. Et mes examens blancs arrivent bientôt, donc c'est un petit peu la dèche, vous voyez. Donc j'ai juste vite fait mis un petit peu d'anti-cerne de poudre et une petite couleur sur les lèvres. Et on est parti, et je ne suis pas toute nue, j'ai ma petite combi. Alors, je vais vous mettre comme ça, ce sera mieux. Donc il s'avère que ces derniers temps, j'ai reçu pas mal de choses, je dois le dire. Et j'ai aussi acheté quelques trucs. Donc il y a de la mode, il y a de la beauté et voilà. Et bah c'est parti. Alors toute première chose, je suis passée à la pharmacie Sainte-Thérèse, donc pour ceux qui habitent en Martinique, voilà. J'avais toujours su que c'était vraiment une très grosse pharmacie, mais à ce point là voilà. Et c'est grâce à Romane de la chaîne Dear Black Girl, que si vous connaissez pas, je vous mettrai en barre d'infos. Voilà, c'est devenu une très bonne amie qui m'a dit que franchement les prix étaient super intéressants. Donc j'y suis allée par curiosité et je n'en suis pas ressortie les mains vides. Alors tout d'abord, j'ai repris le baume à lèvres Rêve de Miel de chez Nuxe, voilà. Bon bah là, il n'y a pas l'emballage parce que j'ai déjà commencé à utiliser. Il était, les filles, à moins de 10€. J'essaie de me rappeler son prix, je me semble qu'il était à 8,99€. J'étais choquée. Si vous connaissez le prix de ce baume à lèvres d'habitude, souvent en parapharmacie, il est vendu autour de 16-18€. Donc franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, génial. J'y étais allée en partie pour les produits Asayam, parce que ça faisait très longtemps que j'avais envie de tester cette marque. Mais pareil, les produits étaient assez chers, souvent pas en dessous de 25€. Et là, quasiment tout est en dessous de 20€ dans leur pharmacie. Donc j'ai pris la Curling Jelly. Donc en fait, il y avait plein de produits, je savais pas trop quoi prendre. Oula, attendez, la luminosité change parce que il y a un nuage. Et finalement, du coup, j'ai pris ça parce que je me suis dit que j'avais jamais testé ce genre de texture. Donc c'est à l'aloe vera, la vitamine E, la pectine, la racine de betterave à sucre. C'est un définisseur de boucle. Voilà. Conçu pour le wash and go style. Conçu pour réaliser des boucles brillantes, haute définition, assure des cheveux souples et une tenue longue durée. Je vous ferai de toute façon une nouvelle vidéo produits cheveux, parce que j'ai rajouté pas mal de produits à ma routine. Donc voilà, donc je vous en reparlerai bientôt. Et autre raison pour laquelle j'y ai été, c'est la marque LA Girl. Donc si vous connaissez pas, c'est une marque de make-up vraiment pas chère du tout. Et donc j'ai toujours entendu parler de leur concealer. Ils ont quasiment toutes les teintes, bon il y en a un rupture de stock, mais voilà, ils ont des testeurs, donc vous pouvez vraiment bien les tester tout sur vos mains, parce que des fois, je ne sais pas vous, mais vous arrivez dans des pharmacies et genre tout ce qui est make-up, ils ont aucun testeur, donc c'est un peu le caca. Et ça franchement, du coup je l'ai payé 4,99€. Voilà, hein, que demande le peuple. Je me suis dit, tu sais, au pire meuf, si c'est pas ta teinte, c'est pas grave. C'est ce que j'ai mis. Oula, j'ai un petit bouton. C'est ce que j'ai mis vite fait là, juste avant de tourner cette vidéo aujourd'hui. Il est, on va dire, quasiment la même teinte finalement de ma peau, un peu avec une teinte orangée pour corriger la couleur des cernes. Et vraiment, il est bien. J'aurais aimé prendre la couleur, je pense, un poil plus clair, mais malheureusement, il est en rupture de stock. Mais franchement, pour le prix, voilà quoi, j'ai pas à me plaindre. L'embout est vraiment pas mal. Forme de pinceau comme ça, je trouve que ça distribue bien le produit, vraiment ouais, au top. Donc ça c'est tout pour la pharmacie Sainte-Thérèse, mais franchement les prix sont super abordables. Je pense que je vais retourner parce que j'ai vu qu'ils avaient aussi par exemple la brume d'eau de chez Caudalie qui coûte normalement au moins une blinde. La petite était à pareil 8,99€, voilà, l'huile prodigieuse à moins de 20€, enfin vraiment les prix sont super intéressants. Si vous habitez en Martinique, n'hésitez pas. Parce que c'est pas pour dire, mais la pharmacie de la Galeria, bon. Alors, ensuite,
En parlant de la Galeria, j'ai été invitée par les Galeries Lafayette à la soirée d'inauguration du nouveau parfum chez Guerlain qui s'appelle Mon Guerlain. Donc c'est Angelina Jolie qui fait la pub. La première édition, j'aimais beaucoup beaucoup parce que ça sentait, c'est un parfum qui sentait très fort la lavande et moi j'adore la lavande personnellement. Et là du coup bah, c'était la nouvelle édition. Donc du coup j'ai reçu le parfum en taille 30 ml. Et ce qui était super intéressant à la soirée, c'est qu'on pouvait faire graver son parfum. Donc moi je savais pas quoi faire graver. J'ai fait graver mon pseudo comme des maris avec ma date de naissance. Mais voilà. Et bah, comme vous voyez je l'utilise déjà pas mal. Franchement ouais, je dirais que j'ai quand même une préférence pour la première édition, mais il sent quand même très très bon. J'ai plein de compliments à chaque fois que je le mets, on me dit tu sens bon et tout. Ouais, de toute façon Guerlain pour les parfums, j'ai envie de dire bah voilà quoi, c'est quand même un artisan parfumeur de base comparé à d'autres maisons qui elles se sont inscrites ensuite dans le marché. Donc voilà, parfumeur depuis 1828. Et du coup j'ai eu trois autres produits. Donc j'ai eu un mascara, oulala, ça brille, c'est le Cils d'Enfer So Volume 1 en teinte noire. Donc je pense qu'ils ont dû rééditer le packaging parce que moi je l'avais déjà mais avec le packaging tout aluminium comme ça. Alors comment vous dire, j'étais ultra contente de l'avoir reçu parce que c'est un mascara que j'adore, que j'ai déjà acheté au moins 3 ou 4 fois de moi-même. Et voilà, et c'est vrai qu'on parle rarement des mascaras Guerlain. Je trouve qu'on parle beaucoup des mascaras Chanel, on parle beaucoup des mascaras Dior, Marc Jacobs, mais Guerlain on les oublie. Et pourtant le Cils d'Enfer il est génial, il donne vraiment du super volume, franchement je le kiffe. Et j'ai eu aussi un eyeliner. Alors ça tombait bien parce que pareil je voulais me racheter un eyeliner mais j'avais un petit peu la flemme. Et alors là, grosse surprise, quand je l'ai ouvert, l'embout est sous forme comme ça de petites roulettes. Franchement excusez ma tête de fatigue hein, les amis. Donc comme une petite roulette à pizza. Donc je me suis dit, oulala, ça fait 2 ans que j'ai pas fait de liner, là on me donne même pas une pointe feutre, etc. Et bah finalement, franchement, sans vous mentir, ça s'est très très bien passé. Je vous mettrai une photo, de toute façon, que j'avais déjà publiée sur Instagram avec un trait de liner que j'ai fait avec. Et franchement, c'est pas si compliqué que ça parce que justement, vu que c'est une roulette, ça vous permet de mettre au plus près de vos cils et de rouler comme ça et ça vous fait déjà quasiment tout votre trait. Donc franchement, je pense qu'avec un petit peu d'entraînement, bah vous pouvez faire des super traits. Donc, voilà. Et j'ai eu un rouge à lèvres Kiss Kiss. M331 dans la teinte Chili Red gamme matte. Bon, le packaging déjà on adore et la couleur voilà un rouge. Il paraît un poil trop bright à la caméra, il est un peu moins flashy que ça vous voyez, mais il est super bien. Je l'ai déjà testé plusieurs fois parce que j'adore le rouge. Et alors ce que j'aime bien c'est qu'il est rouge mais un peu moins il a un peu moins de ton bleuté que ce que j'ai, donc du coup il est un peu plus calme j'ai envie de dire, et il tient très bien. Étonnamment j'étais vraiment choquée parce que c'est un rouge à lèvres basique quoi, même s'il est mat, et bah, il tenait quand même super bien, genre quand j'ai mangé et tout il s'est pas tant enlevé que ça, donc j'étais plutôt contente. Donc ça c'était tout pour Guerlain. Voilà, j'ai enfin réussi à virer la luminosité. Ensuite j'ai acheté un petit peu plus random cette tasse sur ASOS il y a quelques... un mois je dirais, un mois et demi, non peut-être un peu plus ancien que ça. Elle devait coûter dans les 15 € et franchement je l'adore. Donc pour ceux qui ne savent pas qui c'est, Zip de La Belle et la Bête. Ensuite on passe à la marque Hola Joya Bikini. Donc pareil, si vous me suivez sur Instagram, mon pseudo sera en barre d'infos, vous avez déjà dû voir que j'ai fait pas mal de photos pour eux. Et je dois avouer que j'ai été très surprise et très emballée par le concept. Donc en fait déjà leur concept c'est d'éviter que en Martinique, sur les plages, on ait toutes le même maillot. Donc en fait ils font une coupe, ils ont plusieurs coupes et dans cette coupe là il y a plein d'imprimés différents. Et le maillot existe que en S, M et L. Donc comme ça vous êtes sûr de pas normalement vous retrouver avec quelqu'un qui a le même maillot que vous.
Et du coup, moi j'ai choisi, j'en ai choisi deux. Donc il y a eu celui-là qui est, oula, bon, pas très bien, voilà, qui est doré devant, noir derrière. J'ai vu aussi qu'il existait en blanc devant, noir derrière. J'ai été super séduite par la qualité des maillots, vraiment. Apparemment, ils sont faits au Brésil. Voilà, et vraiment, enfin. Comment vous dire, le matériau est vraiment épais, vous voyez. Des fois, vous avez des maillots tout fins qui ne se tiennent pas, les maillots qu'on achète par exemple sur Zaful, etc. Et là, vous avez vraiment une qualité. Le maillot, à chaque fois, il est doublé, donc vous êtes sûr que ça ne va pas être transparent. Et en fait, ce qui m'a tout de suite plu, c'est que malgré la forme qui soit de base assez échancrée, vous voyez, je pensais que du coup, ça allait un petit peu se balader dès que je fais quelques mouvements, etc. Et pas du tout, tellement le matériau est vraiment de qualité, ça maintient. Ça maintient tout en place, donc franchement je kiffe. Donc j'ai pris celui-là et j'ai pris un deuxième un petit peu plus simple mais tout aussi beau, donc un petit haut triangle comme ça, rouge. C'est pareil, si vous voyez à quel point c'est vraiment bien dur, de bonne qualité. Ça fait vraiment plaisir. Et le bas, mon préféré, voilà, qui est imprimé un petit peu palmier rouge comme ça, avec des petits pompons. Mais genre le bonheur, il est trop 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 beau. Donc j'ai hâte d'être en vacances pour pouvoir porter ça. Il y a un camion poubelle ou quoi là? Toujours quand je filme que... Bref. Et en parlant de maillot, je voulais aussi vous parler d'un maillot que j'ai reçu de la marque Etam. Donc, attendez, parce que là, on comprend pas trop le principe. Donc, le dos est... Ah, vous allez pas voir, comme ça. Voilà. De toute façon, je vous mettrai des photos portées parce que j'ai déjà porté ces articles-là. Et le devant est comme ceci. Et en fait, ça rend pas très bien là. Je suis allée du coup essayer plein de maillots de chez eux. Et j'étais vraiment ultra surprise parce que par exemple, souvent je recherche de nouveaux maillots pour l'été et jamais je pense à Etam. Genre, Etam pour moi c'est lingerie, mais je pense pas du tout qu'ils font des maillots. Et vraiment, j'en ai essayé de très 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 jolis. J'ai eu beaucoup de mal à faire mon choix. Finalement, j'ai opté sur celui-là parce que je trouvais que j'avais plus trop de une pièce. Et ce que j'aimais bien avec celui-là, c'est qu'il est vraiment. Il est simple, mais bien taillé, bien coupé. La couleur est sympathique, enfin vraiment voilà, pas trop échancré, vraiment un bon basique à avoir quoi, donc super. Ensuite passons à le plus gros de cette vidéo et que j'ai kiffé, j'ai fait une commande Boohoo. Voilà, ça faisait 2 mois que j'avais pas commandé sur les sites, comment je vous dire que je me sentais mal, que j'avais besoin de nouveautés et de trendy, tu vois, de tendance. Et super satisfaite, encore une fois, je pense que ça va vraiment, c'est devenu vraiment mon site préféré de commande. Je trouve que le rapport qualité-prix est juste dingue. Là j'ai dû en avoir pour 80€ et j'ai eu 5 articles, 80€, je trouve ça vraiment raisonnable. Vous allez voir, vraiment tous les produits sont de qualité, les coupes sont vraiment bien, ça tombe bien. Enfin, j'ai envie de dire, ça m'intéresse plus du tout de commander sur des sites comme Shein, etc. Parce que finalement, les prix sont plus si intéressants que ça, je trouve. En tout cas, pour la qualité, voilà. Alors que là, chez Boohoo, vous avez des prix très intéressants. Alors là, attendez, la lumière se casse. Vous avez des prix très intéressants et la qualité est là quoi, franchement. Et en plus ils livrent en Martinique en pas trop longtemps, 15 jours à chaque fois. Donc je valide. Toujours dérangée quand je filme une vidéo, putain, c'est saoulant. Ah, oui, si vous savez pas, je suis team Evian à fond les ballons. Bon, donc je disais Boohoo, vraiment... Je survalide les gars. Premier article, une petite combi. Alors, je veux pas vous dire déjà que l'imprimé, je l'avais déjà vu l'année dernière chez Zara. Ils avaient fait un cohort avec donc un haut et un short que je devais commander. Et finalement, j'avais pas pu et j'étais un petit peu dégoûtée parce que je trouvais c'est vraiment ce petit
ce petit truc hyper mignon. Et du coup, bah là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, c'est exactement le même imprimé que j'avais vu l'année dernière. Donc, c'est une combi. Alors, attendez, vous allez rien voir. J'ai déjà tout essayé. En fait, de base, je voulais ouvrir le colis avec vous, mais comment vous dire que j'ai pas eu la patience de vous attendre. Donc du coup j'ai déjà tout essayé, donc je vous mettrai des photos portées. Et voilà, c'est une petite combi comme ça, vraiment super mignonne, qui se noue devant. La matière est super agréable, genre vous savez ce genre de matière, pas coton, pas soie, mais hyper, hyper légère, vraiment pour l'été. Elle est pas transparente du tout. Au niveau du short, en fait, vous avez comme des petits volants, ce qui fait que ça tombe vraiment bien, ça fait une très jolie coupe. Franchement, trop mignonne pour cet été, je kiffe. Donc voilà. Ensuite, deuxième article, une autre combi, pareil, que j'ai hésité à prendre. Et franchement, voilà quoi, elle était à 10€, je me suis dit, allez, vas-y, parce que je trouvais que cette couleur-là allait bien à ma couleur de peau. Donc, c'est une petite combi qui se présente. Oula, vous voyez rien, oula, vous voyez rien. Comme ça, voilà. Voilà, voilà. Donc en fait, vous voyez pas, mais ça fait une sorte de drapé comme ça avec une grosse bretelle et là, une fine bretelle. Pareil, je l'ai mise en portée. Là, pour le coup, le tissu est beaucoup plus fluide, peut-être un poil transparent. Mais franchement, vous voyez, sur une peau comme ça, mais bon, quand je serai encore plus bronzée cet été, mais j'ai trouvé que ça faisait vachement, vachement déesse et tout. Franchement, la matière est super agréable. J'adore, vous savez, c'est ce genre de matière où même quand vous transpirez, etc., enfin, ça absorbe vite. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment les matières hyper agréables pour l'été. Donc ça, je kiffe. Voilà. Ensuite, un basique qui doit être à l'envers parce que je l'ai déjà porté. Parce que en fait, je me suis rendu compte que les jours de la semaine, je vais travailler à la BU. Et il fait super froid à la BU en soi. J'en ai marre des fois de mettre des pulls et j'avais envie d'un petit basique comme ça. Donc c'est un col roulé, tout simplement, un body col roulé, manche longue. La matière est super agréable, franchement pour le prix, voilà quoi. J'ai à peu près tout payé 10-15€ ici et voilà, franchement super bien, à boutons en plus. Donc j'ai envie de dire, que demande le peuple au niveau du body. Vraiment super agréable et je trouve que ça donne je trouve que le col roulé ça donne vraiment un aspect classe quoi, vous voyez tout de suite, enfin je sais pas, en plus ça met vachement en valeur, ça vous moule le corps, franchement je kiffe. Donc voilà. Ensuite, je me suis fait une tenue, c'est vraiment pour ça entre guillemets que je commandais, parce que j'avais vraiment envie de tester cette tendance tout simplement. Donc c'est la tendance au pantalon cargo, plus particulièrement militaire. Alors moi, vous savez, je suis plutôt très girly, un petit peu streetwear, mais bon, il y a des trucs, voilà quoi, genre pour moi je me disais mais je pourrais jamais porter ça, ça sera pas assez girly. Et du coup j'ai pris ce pantalon cargo, voilà, ah, attendez. J'ai déjà porté directement, voilà. Pareil, je vous mettrai des photos et franchement, je l'adore. Je l'adore. Il est super confortable, il monte bien la taille. C'est pour ça que j'aime bien Boohoo, parce que taille super bien. J'ai pris un 36 et il me sert vraiment bien au-dessus du nombril, quoi. Donc franchement, je kiffe. Il y a deux petites poches comme ça. C'est vrai que c'est super agréable. Ça reste quand même assez... assez, je dirais, printanier, voilà, au niveau de la matière, et je l'adore. Et du coup, j'ai bien fait, je trouve, de le prendre en une couleur comme ça, un petit peu marron et rose, parce que, après, la couleur verte et marron, pour le coup, ça peut vraiment faire un peu trop, je trouve, militaire. Mais là, avec la touche de rose, on se doute que c'est un petit peu mis à la touche féminine, quoi, la sauce féminine, donc franchement, j'ai kiffé. Et du coup, dernier article pour aller avec... J'ai pris un body rose à bretelles spaghetti, comme on voit beaucoup sur Instagram. Et voilà. Alors lui, par contre, il n'a pas de bouton, mais c'est parce que je crois qu'il était... lui, il était à 6 ou 8€ comme body. Donc voilà. Côtelé, franchement, voilà, pareil, rien à dire. Par exemple, ces deux articles-là, c'est pas des matières, par exemple, ultra qualitative on va dire, mais c'est des matières qui vont quand même durer, qui vont quand même rester. C'est pas une matière qui est transparente, c'est pas une matière qui va se déchirer facilement, c'est pas une matière, voilà, qu'on pourrait retrouver, je trouve, sur un site chinois. Donc franchement je kiffe.
Et voilà, et l'ensemble des deux est purement trop mignon, c'est ce que j'ai porté hier, pareil. J'essaierai de vous mettre une photo. De toute façon, je voulais faire une photo de ce look hier, mais il n'y avait pas de soleil. Là, bien sûr, je remarque qu'il y a plein de soleil aujourd'hui. Donc j'essaierai de refaire des photos de toute façon avec, parce que j'ai kiffé ce look. Donc voilà, dernier article, c'est une paire de lunettes, pareil. Donc vous voyez, en ce moment j'ai un petit peu une obsession pour le rose. C'est vrai que c'est une couleur que j'avais vraiment reléguée à part, quoi. Je me dis ouais, le rose pour les petites filles de 6 ans. Et finalement, non, je trouve que c'est une couleur qui est super mignonne, super sympa, fraîche et tout, donc je kiffe. Et du coup, je me suis pris ces petites lunettes-là. Elles sont peut-être un peu sales, vous voyez, qui sont dégradées rose comme ça. Pareil, si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà dû les voir. Et franchement, je les kiffe. Enfin, elles font, ouais, du coup, un reflet sur la peau. Pour le coup, c'est des lunettes colorées, mais qui font vraiment lunettes de soleil comparées au jaune ou au rouge que j'ai. Celle-là, elle protège quand même pas mal. Et, bah, oups! Et par contre, je peux pas bah, du coup vous mettre de lien ou quoi, parce que je les ai achetées à une amie, voilà, qui vendait des lunettes. Donc voilà. Olivalou, c'était tout pour mes achats du moment. Je pense que achat et en fait ce que j'ai reçu il y a tous ces temps-ci. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!